Je te le DM. Ah merci mec, sur Amazon, parfait. Ok, donc mon PB est en 2h09.17. Mais en plus ce qui est incroyable c'est que ce jeu, non mais tout est bien, c'est ça. Le jeu est exceptionnel. Ah, Kiki et Dileo de leur côté ont lose leur... Ça j'ai vu. Ok, alors, vous voulez que je mette un partage d'écran ou pas? Ouais, vas-y, je regarde de mon côté. Nova, tu veux faire un speedrun ou pas? La map elle me gave en vrai. Et tu fais quoi là? Tu fais quelle map? RMC en shroomless. Oh oui, mais d'accord, mais tu te fais du mal en fait. Ok, 3, non, en vrai, je sais pas 2, si tu veux 1, pourquoi je top. On croit mort au sub 2h. Je sais que c'est possible. Est-ce que, en vrai j'avais regardé, mais est-ce que du coup tu prends des sorties secrètes aussi pour rusher un peu les mondes ou pas? Ouais. Par exemple, au monde 4, je fais le 4-1, le 4-A, le 4-B, le 4-5 et le 4-6. Ah oui, donc tu rejouais, d'accord. Et Funky, c'est quoi? Parce qu'en fait, je sais que Funky c'est plus facile, mais c'est quoi qu'il a en plus, Funky? Il a un double saut déjà, bon. Ah oui, d'accord, ok. Il a un double saut, il a la roulade continue, il respire sous l'eau. Parce que les autres, ils doivent prendre des bulles d'air régulièrement. Ah oui, d'accord. Et il a 5 points de vie direct. Voilà, le mec va back ses flammes. Bien joué, mec, t'es trop fort. Pour bide. Non, mais... J'ai bide mon disque en plus. J'ai même pas pris d'item. Tu veux passer devant moi? J'ai rien, frère, ça peut être assuré, j'ai que deux, je crois, moi, je ne mito pas. Et bah vas-y, en profite. Voilà, je passe. Merci, mec, ça fait bien. Et après, Funky, ce qu'il y a bien aussi, c'est qu'il a le même genre de truc que Dixie Gong, c'est qu'il peut ralentir ses chutes aussi. Ah oui, Dixie Cranky, je trouve que c'est vraiment craqué. Cranky, c'est débilement fort. Cranky c'est trop craqué, tu peux vraiment... Cranky avec... Bah il a juste le pogo quoi, le pogo ça a toujours été fort dans tout le monde. Pogo, c'est trop drôle ça, j'adore. Non mais dans tous les jeux où ça existe, les pogo c'est craqué. Enfin... Bah en fait le truc qui fait que... Enfin... Bang, bam, bam. Non mais un truc qui est vraiment quoi débile dans le jeu en fait... C'est qu'il y a des genres de boosts un peu partout qui sont planqués. Je suis sûr que les développeurs l'ont prévu en fait. Gold. Puis il y a des sauts de l'ange aussi un peu partout. Fin. Ouais. Mais ça paraît, je sais que les développeurs l'ont prévu. Mais voilà, il y a plein de plateformes que j'ai envie de faire. T'as fait Céleste? Non. Pareil, jeu exceptionnel, 10 balles. 10 balles sur PC? Ah oui! Ah dommage, t'as raté le truc. Ouais, non, c'est pas grave. Ouais, on est plus près. Mais on est, moi je ferai un petit 100% du jeu, je pense aussi sur. Tropical Freeze? Ouais. Je suis encore en train de le faire le 100%. Parce qu'en fait, j'ai pas encore tous les niveaux K. Ah oui! Y'en a, j'ai pas envie de les faire parce que je tiens ma santé mentale. Le 2, moi y'a le 2 qui me ferait. Le 2K il est pas dur en vrai. C'est plus le 3K qui me fait angoisser, tu vois. C'est lequel déjà le 3K? C'est celui avec des plateformes qui apparaissent et qui disparaissent au fur et à mesure là, c'est. Ok, on y croit à mort. Moi je me souviens de celui où t'avais la lave qui montait. Je sais pas si t'as la lave qui montait, mais attends bon. Celui du monde 4. Ok, nice. Y'en a pas dans le monde 4, y'en a pas où y'a la lave qui monte à un moment ou je sais pas quoi là. C'est peut-être dans Return celui-là, je suis pas sûr. Ah je sais plus. Je vois duquel tu parles, Chiki, ouais. Mais ouais, c'est vrai que lui il était. Ouf, stressant. Ah si c'est bon, je me souviens le 3. Avec les trucs qui font des espèces de bascules là. C'est ça. Oui, je vois ce que c'est. Oui, déjà, le 1K, je me suis arraché les cheveux dessus alors que c'est plus simple des K, donc bon. Ouais, pas forcément en vrai. Hein.
Le 5 aussi, je crois qu'il est dur. Mais après, ce qui fait que le 2K il est incroyable, même si tu pètes un cap dessus, c'est le fait que t'aies le remix de la musique originale de Donkey Kong Country dessus en fait. Enfin... David Wise, la musique de David Wise. Ah, j'ai raté la mi. Ouais, je sais, j'ajoute que je fasse aussi Return. Enfin, je sais que j'ai déjà fait en émulateur, mais. Je le fasse en. Bon, allez, vas-y, je suis du coup, je suis drôle, ça me gaffe. Ok, je termine la map. Je termine ma map et j'arrive. En vrai, Return, maintenant que j'ai joué à Tropical Freeze, je peux plus y jouer. Hein. Saoulé là. En vrai, je trouve que Tropical Freeze est quand même mieux, quand même. Oui, vraiment. Oui. Il est mieux dans tous les sens du terme. Enfin, déjà le fait qu'on n'ait pas à secouer la Wiimote. Fin... D'accord, ok. Oui, c'est vrai que l'histoire de Wiimote. Après, moi à l'époque, je l'avais fait sur émulateur aussi. Le... Ouais, voilà, moi je l'ai fait sur. Moi je l'ai fait à la manette. Ouais. J'avais fait sur émulateur parce que je voulais tester le jeu et que je voulais tester dans Donkey Country, tu vois. Et du coup, tu vois, quand tu joues à la. Quand t'as une minute d'heure, tu peux vraiment jouer avec une minimum une manette, tu vois, donc tu peux se taper des boutons, donc c'était plus sympa. C'est ça. Mais t'avais pas fait Donkey Kong Country sur Super Nintendo ? Non, j'ai fait que celui qui était récent. Enfin, que les récents dans l'idée. En fait, j'ai déjà fait Tropical Freeze, mais. Non, pas ça que je voulais faire. J'ai déjà fait Tropical Freeze, mais c'était vraiment sur l'émulateur, pour le coup. Return, tu veux dire ? Non, j'ai fait les deux, j'ai déjà fait un peu les deux. Ok. Mais j'avais pas fait le 100%, j'avais. Ok. Il y a un niveau, je sais carrément jamais fait, donc bon. J'étais pas allé très très loin. Parce que moi, du coup, moi j'ai fait les 3 Donkey Kong Country à la base sur Super Nintendo. Et j'ai fait le full 100%. Oh ouais. Attends, je vais changer vite fait mon titre de stream par contre. Hop. Mais là en plus les niveaux de minecart ils ont... Oh, les niveaux de minecart c'est les niveaux les plus réussis de Return par contre. Oui, c'est vrai. Et là il y en a un dans Tropical Freeze, il est incroyable. Genre c'est le 4-2 d'ailleurs. High Tide Wide. Genre le niveau... Le niveau des chariots un peu en 3D là. C'est le niveau où genre tu commences, t'es sur la plage tout ça. Et là tu finis dans une grotte tout ça enfin. Je sais pas si tu vois lequel. Ah oui, si, je crois savoir c'est lequel, je crois savoir. Ce niveau, enfin, la première fois que je l'ai fait, parce que bon, moi le jeu, je l'avais fait Day One sur Wii U à la base. Ouais. Et genre, enfin, le niveau, ça m'a mis une claque, enfin. Ouais. Hop. Attends, Nova, hein, j'ai pas encore, faut que j'ai rien setup là. Faut que je fasse ça, faut que je trouve mon live split. Mais vraiment, mon niveau préféré du jeu, c'est le 5-1 ou 5-4. C'est pas celui avec les espèces de pinces qui ramassent des fruits, là? Si. Ouais, bah c'est le 1, alors. Oui, 5-1. Mais les deux, c'est mes préférés, en fait. Juste à cause de la musique, en fait. Harvest Hazard. Ah oui, la musique est bien, ouais. Ouais, bah. Et après, bon, en mention honorable, il y a Grassland, enfin... Après, en soi, j'ai déjà vu le jeu, mais après, j'ai jamais fini le jeu, quoi. Ouais, je connais un peu. Je connais quand même pas mal Tropical Freeze. Mais après il y a Grassland qui est Arcade Perfect aussi, enfin. Ok, boss du monde 1. DLC Cup. Et ref. Donc on va faire. Hop, promenade Paris. Mais là il est 23h chez toi là. Exactement. Oh ça va. Moi je sais que je suis parti jusqu'à 2h du mat. Oh là là. Comment j'écris? Mais je bosse pas demain donc en vrai je suis tranquille. Ah oui bah ça va alors t'es tranquille. Moi ça va moi après-demain là jeudi c'est férié chez moi. C'est férié au Portugal donc j'ai. Non, c'est vrai. Du coup je bosse pas. C'est la Saint-Jean c'est ça? Un truc comme ça, ouais, j'ai pas le nom en tête, mais je crois que c'est dans l'idée, ouais. Parce qu'en fait, j'ai une meuf qui est avec moi au collège, lycée, qui est au Portugal, là, depuis 2-3 ans.
je crois 2-3 ans. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que tu le sais. Ok. Ouais, bah ouais. J'ai des DM tout à l'heure. J'ai eu dans mes DM tout à l'heure. On parlait viteuf. Ok, ok. Hein. Je parle pas à gros monde qui est avec moi au collège, mais. Hop. Et Dojo Ninja. En vrai, la vérité, c'est parce que j'avais crush sur une de ses potes à l'époque. D'accord. Mais. Bail très très sombre. Parce qu'en fait, la meuf en question et ma copine se connaissent. Ouais, je vois. Et elle se déteste. Ah. Elle se déteste notoirement et moi ça me fait plus rire que je devrais d'ailleurs en fait. Ok, phase 3. Moi c'est bon Nova, c'est quand tu veux. J'ai cru que j'avais raté le boss. 3. Attends, c'est bon. 3, 2, 1, top. Hop. Allez go. Oh, j'ai cru que je l'avais raté. Oh merde, départ moyen, c'est pas grave. Putain, c'est dur alors. En fait, je sais pas, en local faire, je dirais tout le temps. C'est vraiment une blague. Hein. On se le dit, hein, c'est vraiment une blague. je suis une blague, mec. Écoute mec, on va toujours être une blague quoi. Et on a Gold le boss. Dommage mec. Non mec, t'as pas idée de ce que j'ai fait vraiment. Non mais dommage mec, en plus j'avais réussi le truc sur la. J'avais réussi le truc au début, tu caches les couilles. Non mec, ce que j'ai fait vraiment c'est. T'as fait quoi mec? T'as été catastrophique? J'ai pas eu les pièces au début là. J'ai raté les deux pièces. Ensuite j'ai raté le trick sur la fontaine de merde là, et la rouge elle a mis 20 ans à m'arriver dessus, du coup j'ai lâché ma balle sans faire exprès, la rouge m'a tapé à la frame, j'ai lâché ma balle. Merci pour le follow Capo Gromato, ah, bienvenue. Vraiment les rouges je comprends pas, je sais pas, c'est ça qui vient depuis 3 secondes. Le niveau où t'es, moi je crois que c'est vraiment un mec préféré du jeu, je pense. J'aime trop ce niveau. Ce niveau est trop bien, et la musique je crois que c'est une des meilleures du jeu, je pense. Oh oui, clairement. Je kiffe la musique de ce niveau. Ok, 3, 2, 1, top. La musique est vraiment exceptionnelle. Hein. Elle est beaucoup trop bien. Mais tu sais que j'ai les musiques jeux sur mon téléphone. Ah ouais, trop bien. T'as faut que je les mette en vrai, c'est un certain qui sont trop cool. Bah je te l'enverrai en DM quand j'aurai fini moi. Oh, ça marche. Ouais, j'aime vraiment mais du jeu, je te trouve exceptionnel. Ah oh oui, j'ai le trick. Let's go. Trick de geek. Ok. Pourquoi trick de geek d'ailleurs? C'est qui appelle ça comme ça? C'est Skartax? Oui, c'est Skartax qui appelle ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Normal. Je vais pas taper le wall là. Ah, moi j'ai tapé le wall quand tu dis ça, Nova. Oh, ça me saoule, j'arrive pas à jouer. T'es trop frustré par RMC là, t'as trop fait la meuf là. Mais non, mais gros, je tape tous les walls, sérieux, ça me gave, sérieux, ça m'énerve. Ah, j'ai pas eu le trick, je sais. Qu'est-ce que je vais l'avoir le SMT là? Non. Ok, j'ai gagné un peu de temps sur ce niveau. C'est un peu dommage la mort, mais en vrai c'est pas grave. Ah, j'avoue qu'en plus elle est un peu conne en plus. Oh bon, si tu savais le nombre de morts débiles que j'ai eu dans ce jeu. Ok, on gagne 13 secondes. Juste parce que t'as raté ton saut, du coup t'as raté le timing sur le hibou. C'est ça. Mais je t'ai dit, les développeurs ils ont tout prévu. Hein. Je vois pas autrement. Genre, comment un mec nul comme moi il pourrait avoir ces tricks là alors que bon voilà quoi.
Le jeu mécaniquement il est vraiment dur, hein. C'est un des plus durs que j'ai jamais. En vrai non, c'est exigeant, mais c'est pas difficile tu vois. Ah non, c'est exigeant, dis pas que c'est dur et ça c'est bien. C'est pas un truc hardcore tu vois, mais c'est exigeant quoi. Parce que tu vois par exemple dans les New Super Mario Bros, j'ai 2,23 sur Paris d'ailleurs, on voit. Parce que sur comment ça s'appelle. Dans le jeu vraiment les inputs sont ultra importants, c'est pas comme dans New Super Mario Bros où tu ferais juste taper sur la touche A et ça saute tout seul. C'est ça. Et là il faut vraiment appuyer à chaque fois au bon moment si tu veux vraiment que ça saute bien. Genre tu vois les plateformes qui bougent à gauche à droite là. Ouais. En fait si tu les si tu fais un saut, enfin un saut, une roulade au bon moment, genre en fait t'as un boost de vitesse et ça genre ça tu le. C'est un peu un glitch du jeu dans. C'est pas un glitch, c'est prévu. Ah c'est prévu dans le jeu, d'accord. Genre tu vois là regarde X, et t'as vu la boost que je prends là. Ah oui t'as vu une vitesse de fou frère là. T'as vu. Oh la vitesse que t'as eu là. Exemple encore ici. Il y en a plein comme ça dans le jeu, c'est insane genre. Ah pour le speedrun ça c'est bien. Hein. J'ai raté. Encore ici. J'ai jamais vu. Bienvenue Kist, c'est moi. Bienvenue sur le stream. Travailler sur le stream de moi. Ah non, je prends la bleue, le seul. Ah, oh là, c'est comme le rouge avant. Oh là là, la chatte. De la réussite. Le bol, la chatte. Oui, le bol, la chatte, on peut tout dire. La veine. La veine. Je sens la veine. Et j'ai gagné 6 secondes sur le niveau, donc tranquille. Non, je me fais choc. D'ailleurs, il y a un genre de TT dans le jeu, le mode time attack. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de. Et en fait, genre, le truc, c'est que t'as pas le droit de mourir, tu vois. Fini. Fini 4-21, Nova. T'as pas le droit de mourir, t'as pas les checkpoints aussi. Okay. Donc, ça veut dire que, en fait, avant de me lancer dans un run complet du jeu, j'ai fait tous les niveaux en gold. D'accord, ok. Ah oui, d'accord, c'est comme ça que t'as appris à apprendre les trucs, ok. Ouais. Et ce niveau, j'ai pas un gold, j'ai un shiny gold. Ah oui. En clair, ça veut dire que t'es dans le top 5% des runs, quoi. Donc, franchement. C'est ça qu'en plus, quand t'avais un truc time attack, j'avais déjà vu ça et t'avais des gens qui étaient tant de malades mentaux. Oh oui, clairement. Mais genre, mon temps sur le niveau 6-3, avec Duck Assault, je crois que je dois être à. Je suis à 2 secondes du record du monde alors que. Je fais un. Mon run il est flawless quoi. Ah oui. Donc Ah oui aussi Funky, il prend pas de dégâts s'il va sur les pics, c'est cool. Ah d'accord, t'as. Vas-y, ça me saoule. C'est une vraie plate armor hein, là. Mais du coup, ça peut servir dans certains passages où t'as que des pics, du coup, tu peux faire full roulade et. Non, parce que ça t'arrête. Ah, ça t'arrête, d'accord, ah merde. Ah, je pensais en fait que carrément tu passais à travers, du coup, tu pouvais vraiment stécoter. Non, tu passes pas à travers, c'est dommage, mais. En vrai, ça serait craqué. Hein. Bah ouais, déjà que je perçois, t'as craqué en soi. Bah, comme chez MKOui. Hein. Ah, c'est MKOui, je jouais pas Funky, mais. Moi, je jouais Daisy. Ah, non, moi, je jouais Bowser Squelette. À l'époque. Ok, j'ai gagné 13 secondes sur le niveau. 14 secondes. Ah ouais, pas mal. Ok, donc 2-4, je crois c'est le niveau de. Ouais, c'est le niveau de Charmini encore. Moi j'aime bien le monde 2 dedans. J'aime beaucoup le monde 2. Moi c'est monde 5 mon préféré. Ouais, le monde 2 et 5 j'aime bien. 5 parce que bon, Harvest Hazard. Il y a aussi le niveau dans l'usine aussi. C'est vraiment pas mal, ouais, il y a tellement de trucs bien. Moi je pense que le monde que j'aime le moins dans le jeu, je pense que ça serait le monde, monde 4, je dirais. Le monde 4. Monde 4. J'aime. Et pourtant, monde 4 c'était niveau bunker, hein, genre. Oui, il y a des bons niveaux, mais. Les trucs aquatiques, j'avoue que c'est pas mes niveaux préférés là, de base. Je me suis fait double choc sur Choco, c'est chiant. J'aime pas trop les niveaux aquatiques. Ça dépend du niveau aquatique en question. Oui, c'est celui du. Je crois qu'il y en a, c'est avec le. Le Kraken là, ou je sais pas. Oh, celui-là, niveau exceptionnel. 7 minutes tout rond.
Le niveau que le Kraken il est exceptionnel. Hein, mais à speedrun c'est une torture. Hein. Oui. Il y a une fois, genre, j'ai pas eu le gold pour 2 centièmes sur ce niveau. Enfin. Oui, d'accord. Ah ouais. Mais en fait, si tu veux, il y a un truc que j'adore dans les jeux plateformes, en fait, c'est que si tu veux, ils ont. En fait, c'est l'école de. T'as une idée, t'as un gameplay, ça fait un niveau. On te montre l'idée au début du niveau. Et après, on le booste un peu au fur et à mesure. C'est ça. Et ouais, c'est pas mal. C'est l'école du gameplay, en fait, ça. Genre. Ouais, bah c'est. Ça, je trouve ça bien, ça. Surtout qu'en plus, c'est des mécaniques qui sont souvent intéressantes en plus dans le jeu, je trouve. Bah, ce niveau par exemple, tu vois, c'est une série, ils te font. Ah oui, avec le bateau, oui, trop bien, avec le bateau là. C'est dingue. Genre là, t'as la scie qui crée le niveau sous tes yeux, enfin. D'ailleurs, en plus, tu prends pas ton secret du coup pour celui-là? Non, c'est pas intéressant. Mais je crois que t'en as une, il me semble, dans ce. Ouais, y'en a une, y'en a une. Oui, en plus je sais où elle est à la fin du niveau. Elle est juste là, elle est juste là, j'arrive dessus. C'est juste que je saute pas ici. Mais c'est pas intéressant. Bon, je sais pas si c'était vraiment intéressant. C'est vrai que la Syrie c'est pas mal quand même, c'est vrai que c'est pas mal. Alors 2-5, c'est lequel déjà? Ah oui, je sais. C'est Happy Incline. C'est Happy Incline. Je sais en plus qu'il t'emmène au niveau de la série, il t'emmène au niveau du Gouda là. Ah oui, bah oui, ce niveau il est long. Il est très long. Alors ouais, que Alpine Incline, le niveau il fait 1 minute 30 quoi. Donc, bon. Mais parce que c'est la fusée. La fusée c'est chiant, c'est un peu un. Tu peux pas vraiment l'accélérer, c'est un peu un scrolling. C'est un auto scroll. Ouais. Bon, on en fait que 3 des niveaux avec le Rocket Barrel. Et on en fait 3 parce qu'on n'a pas choix de les faire. Ouais. Bon, moi je vais vous laisser. Bonne soirée, Extra. Bonne soirée, je pense que je vais suivre ton stream, Moa, sur mon tel. Vas-y, bah n'hésite pas à participer sur le chat. Hein. Pas de soucis. Eh ouais. Bonne soirée. Le jeu est magnifique. Hein. Voilà. Vraiment. Oh oui, le niveau là, oui, il est trop bien. Ah merde, j'ai pas spam la touche, je suis désolé. Oui, mais il est pas en plus, il est pas long, donc en vrai. Bon, voilà. Après, le niveau suivant, c'est Wingding, et ça, c'est l'un des top 5 des niveaux du jeu aussi. Avec les cloches. Avec les cloches. Oui, je vois ce que c'est, il est trop. Il est top 5 du jeu, hein, clairement. Oh là là. Putain, c'est un jeu qui donne envie vraiment Tropical Freeze, putain. C'est vraiment une dernière construction. Viens jouer avec moi! Ah, je l'ai pas encore, faut que je l'achète. Mais en vrai, en fait, j'ai que. Là, en vrai, en ce moment, je peux pas trop parce que. Je t'avoue que je dois payer mon Airbnb et. Ah oui. C'est 1500. et je dois payer 1500 balles le mois, donc bon. C'est une somme quand même. Ouais, ça fait une sacrée somme quand même. Mais t'es payé pour ça, vraiment? Oui. Enfin, je suis payé? Non, je suis pas payé pour le stage, je crois. Enfin, j'en sais rien, en fait, ils m'ont jamais dit, mais je pense que je serais pas payé. C'est un truc dans l'université, donc à moins j'ai besoin de me faire payer. J'ai okay. Très peu de chance. Et en fait ça dépend, parce qu'en fait t'as des pays où ils peuvent te payer, d'autres endroits où... En fait c'est... Quand c'est en France t'es obligé de payer quand c'est plus de 2 mois. C'est 7 semaines consécutives ou non. Source, j'ai fait des stages. Et à l'étranger ça dépend. Mais c'est comme ça que j'ai braqué le système quand j'étais en BTS d'ailleurs. J'ai été payé pour quasiment rien faire quand je faisais mon stage de BTS. Non, mais là, je crois que je peux payer parce que, en plus, comme je travaille dans un truc de recherche, c'est un truc de recherche à l'université, du coup, je pense que je serais pas payé, mais c'est pas grave. En fait, je m'en fous d'être payé tant que j'apprends les trucs, etc., que ça m'intéresse. Bon, bah. J'ai 2 morts chez mon PB dans ce niveau. Ça va être un regard à mon stream, je suis navré. Merde. On est déjà là. 11h39. Mais là, du coup, j'ai présenté MK en marathon speedrun pendant l'été. Ah ouais, trop bien. Ouais. En fait, le marathon s'appelle l'encyclopédie du speedrun. C'est en fait c'est un marathon pour que les néophytes apprennent ce qu'est le speedrun, tu vois. Ok.
Il y a aussi le jeu, il y a aussi le jeu sur lequel j'ai le board record là, Amazing Adventures. Ok. Pour qu'on ait un jeu plateforme à la Mega Man. Ah oui. D'ailleurs, il y en a pas qui ont tiré récemment des Mega Man là. Ou il va sortir, je sais plus. Écoute, ils nous le ressortent toutes les sauces Capcom donc. Donc là, encore un boost. Oh là là, mais quelle vitesse, bordel. Oh, je vais gagner là le temps sur ce niveau. Non? Ok, c'est bon, j'ai chaud. Ok, je suis une minute devant après 2-6. Sur lap 3. Neige au collab de frère. Bon, ok, je prends une reine. Très bien. Mais bon, trop tard. Le boss du monde 2, du coup, maintenant. Oh, lui, il est bon. Il y a un shroom, mais juste avant le 4, mais je peux pas prendre le 4. Maintenant que je connais son pattern, en vrai. Ouais, le hibou, il en voit. Hein. Il est pas dur, c'est juste que ses patterns sont longs, quoi. J'ai refait le pire move. Ouais, c'est pas grave, ils sont gigalants parce qu'il faut qu'il lance. Ok, mais t'as pas lancé la plume, tout ça. Mais j'ai pris un choc et sinon la map, j'ai run parfait. Je crois que c'est vraiment un des bugs que tu peux pas vraiment rush dans le jeu. Je crois que c'est même un des pires que tu peux pas trop le rush. Oh là là, mon corniche il est horrible, mec, je suis à 14. Hein. C'est à 14, c'est quoi, c'est catastrophe. Bon, après, j'avoue que j'ai pas spam tout à l'heure, mais bon. Oh mon pote, mon boss est déjà dégueulasse. Il recommence son pattern, j'ai perdu 2 minutes. Et alors, en plus, t'es que sur la première phase en plus. Mais oui, c'est ça le pire. Les autres phases après elles sont pas mieux hein. Ok, c'est bon. La raid est esquivée. Rochard, t'as un jardin parfait là, mais c'est compliqué. Il me reste 2 coeurs. Bon, ça devrait aller, je pense. Ok. Non. La phase 2 elle est beaucoup plus sympa que la phase 1. C'est à dire qu'elle est plus rapide. Ouais. Ouais. Tu vois, regarde, j'ai tellement pas de chat. J'ai essayé de grid genre une demi seconde. J'ai mis 2 coups en 3 secondes de boss, pardon. Oh non! Ah oui, parce que t'as les. Parce que t'as les pingouins que tu peux lancer, tu peux lancer 2 ou 3 d'affilée. Tu peux lancer 2 dans un cycle. Ouais, voilà, dans un cycle, c'est ça. Ah, mais Nova, tu m'as pu vise là. J'aurais pété un câble. J'en plus vraiment, c'est tellement mieux. Là, no joke sur ce run là, je peux me mettre 10 secondes si j'avais pas bid. Je suis mort sur le boss. J'ai un peu pillé, j'ai raté un truc là, c'est pas normal. Je suis mort sur le boss, on peut m'applaudir. Ah ouais, terrible. Bon, je suis à 16. On va dire que je suis à 16-2, je dirais, sur le truc. Vous êtes en 150 ou en 200 là? Avec ou sans items? On est 150 avec des items, on fait le truc DLC. Bon, on espère que ça arrive bientôt le Nintendo Direct, on en a marre là. Pourquoi je tente ça, moi? Il y a des rumeurs incitantes qui parlent du 29 pour le DLC. Pour le direct. T'as les 29 frères, non, mais attends, mais. Ça m'arrange pas, c'est un mercredi. Parce que bon, ça m'obligerait à. Ok. Bah, c'est bizarre parce que normalement. Ça me casse les couilles, les bots qui mettent des bananes comme ça. Normalement les maps elles auraient dû sortir. Impossible. Elles auraient dû sortir fin juin.
Bah c'est 29, c'est-à-dire qu'ils sortiraient les maps le premier, tu vois. Ah, les premiers, tu penses qu'ils sortiraient direct? Ouais, le premier jeu. Ah. Genre donc, directement après direct, tu vois. Ah, j'avais pas pensé à cette éventualité là, tu vois. Je pensais que ça... Je crois que c'est possible. Ça va pas être triste, quoi, les fondeurs. Ah bah la bleue, frère, bon bah yes. Ah bah non, j'ai le choc avant, bon. Je comprends pas, je vide le Nisclap 3 alors que je le prends comme Olaf 2. Ok. Et paradoxalement, je trouve que le tirer sur le boss quand il est à gauche de l'écran, c'est plus simple que tirer quand il est à droite de l'écran. Ah ouais? Ouais, c'est paradoxal, hein, mais... C'est la P3, là, non? Ouais. La P3, c'est là où il y a les bâtons les plus longs, d'ailleurs. 18-15. Putain, j'ai trop le seum. Oh, mec, moi, je vais être à 30, hein. Ah non, mais il y a encore une bleue. Ouais. Ah ouais, d'accord, bah je me suis fait choc bleu, du coup. Bah là, en fait, je vais être à 50, là. J'ai perdu tout mon avance sur ce boss. Je suis à 18-43. Bon, c'est de la merde. Putain, tu prends la bleue, t'as pas de... Pourquoi tu prends la bleue? Ah oui, je rends... En plus, là, je prends deux fois... J'ai pris deux fois choc bleu dans le... Voilà. Sur Dojo, c'est terrible, hein. Hop. Non. Tu veux en refaire un ou pas? Vas-y, go. Putain, quand je vois quand j'ai mal joué, je fais 18-15. Et bah, j'avoue que j'étais pas très focus, mais... Je regarde un peu en même temps la run de moi aussi. C'est vrai que mon run d'un niveau exceptionnel, c'est absolument faux. En plus, ça fait tellement de temps que j'ai pas vu le jeu en vrai. Mais le run il ira au bout, hein. J'ai même beaucoup de chance que je PB d'ailleurs. Vas-y, Nova, 3, 2, 1, top. Oh bah, meurs pas maintenant, moi. Non, ça va. J'ai pris mon médoc avant le run. Qui stream 1v1 Koryu. Bon. Ok. J'ai perdu 2 minutes 30 sur ce niveau. C'est un boss, ouais, carrément. Tu me dis si tu veux. Ah non. Bah en fait, non, rien. Non, moi je suis bon, hein. Ok, grâce l'onde. Grassland, meilleur niveau du jeu, objectivement. Ah non, mais je suis con, j'ai oublié qu'on... Je pensais qu'on était à l'autre. Oh, j'ai oublié de bien recommencer. Tu as recommencé? Ouais, en vrai, ouais. Je croyais pas qu'on était au lab 3, du coup, je suis parti à droite sans faire exprès. Ah oui, au niveau du carnaval. Oh, au niveau du carnaval, ouais, ouais. Il est bien. Ça, c'est chiant. Comment tu peux genre, croire qu'on est au lab 3? Putain, mais c'est tellement un bot, sérieux. Non. Je crois sur le 3-4 j'ai quelques prêt, morts ouais. Un peu chiantes. Bah 3, 2, 1, top. 6 je faisais pas le con ça serait bien aussi. Ça par contre tu penses que graphiquement je crois que c'est un des plus. Je crois que c'est le plus beau niveau du jeu je pense. Non il y en a un dans monde 4 qui est au-dessus. Encore celui-là? Ouais. C'est... je sais plus, je crois que c'est le 4-4. C'est un niveau en... C'est un niveau dans l'eau en ombre chinoise. Hein? Après je le revois mais je crois que ça me dit quelque chose. Et il a la meilleure... Il a vraiment la meilleure musique du jeu.
Mais de toute façon, il y a tout dans le jeu qui est parfait. Donc... J'ai l'impression de m'étendre en superlatif. Non, mais après, non, mais ça, par contre, le jeu est incroyable. Ça, c'est vrai. J'ai fait un meilleur, let's go. C'est pas grave. Continue. Je vais récupérer un peu de temps sur le niveau, je pense. Le passage de fin, je le trouve trop marrant, par contre. Il est exceptionnel. Mais d'un point de vue speedrun, mon niveau préféré c'est 6-6. Enfin 6-3-6-6. J'ai balancé la bonne NDR, je suis vraiment trop con. Mais je prends la bleue, je prends chaque bleu. Je sais plus ce que c'est. En vrai par contre, les derniers niveaux, je m'en souviens plus trop. En vrai, des... Le monde 6 en un bon speedrun, ils sont tous incroyables les niveaux. Tous. Même si je chie sur 6-4. 6-4, c'est un pas... C'est pas en gros le... Le monde 6, ils reprennent pas en gros les niveaux de... De Returns, si. Enfin, l'ambiance des mondes de Returns, c'est un truc un peu de glace, etc. C'est ça. Ah voilà, on est d'accord. Du coup, en gros, t'as 7 ou 8 niveaux, quoi. Il y en a 8. T'en as 8, ouais. Putain, mais je prends 2 bleus sur mon rod. Non mais mec, je vais... Il est dégueulasse. Ça casse les couilles, les bots qui mettent des bananes des endroits, ça casse trop les couilles. Hein. J'ai failli me faire shot target, putain. Ça, ce niveau... De la merde. Ce niveau il est bien bien chill par contre. Je suis avec les fleurs là. Ouais. Ouais il est chill. Donc, il est chill, même dans la musique il est chill. Ouais parce que bon après c'est Frantic Fields quoi donc bon. Ah oui. Frantic Fix avec 2.34, ouais horrible. Frantic Fix avec Cranky il est... Oh oui, le buffalo. Je sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir gagner du temps sur ce niveau. Tu veux restart ou quoi, Chiki? Non, t'inquiète, vas-y, je continue. T'inquiète pas, c'est qu'une map. Mais ouais, j'ai une minute à gagner sur ce niveau, ok. Mais donc non ouais non sur genre le tu sais le jingle que t'as quand tu vois le tonneau de fin de niveau là j'aime trop. Ah oui. Bah c'est pas... T'avais pas le même sur Return? Ah non, peut-être si, pas. Si, c'était le même. Ah, c'est d'accord. Et pareil, t'as moyen d'avoir des boosts de zinzin avec les tornades. Ah oui, le niveau des tornades. Oh, il est trucé aussi celui-là, putain. Oh là là. Il est trop trop carrément au cœur d'atteindre, etc. Là. Oh, c'est une masterclass, ça. Je t'ai dit, ils te présentent une idée et après ils twistent l'idée. Vraiment, genre c'est. Putain, la foudre et tout, oh là là, c'est vrai que c'est trop bien. Allez, 3 secondes de retard. 4.28, j'ai 5 secondes de retard. Même 7, je pense. Avec le rhino, bordel, ça se trouve en fait. Et là, tu finis carrément dans l'œil du cyclone. Enfin... C'est incroyable. Le monde 3 par contre il est incroyable. Je pense que le monde 3 je crois que c'est celui où t'as les. T'as les mécaniques les plus originales je crois. Ouais c'est ça, c'est du gimmick en fait. Planique super. Putain mais je rate encore ce. Oh, j'ai failli tomber dans l'eau là. Oh là là là. Oh, j'ai eu chaud là. Ok, j'ai repris 2 minutes, juste sur ce niveau. Pas mal. J'étais claqué sur. Ok, donc 3-4, je crois c'est.
Ouais, c'est Scorch and Touch. C'est le... Ouais, c'est le niveau des flammes là. Scorch and Touch, ouais. Et 3-5, c'est le niveau avec le Rocket Ball. Et je prendrai la Tortue Secrète sur ce niveau d'ailleurs. Oui, parce qu'elle est plus courte. Il fait gagner 30 secondes, je m'en sûr, surtout qu'elle est surtout mid du niveau, je crois. Elle a la moitié du niveau et tu vas la prendre que si t'as un double saut. Ah oui, d'accord. Et pareil, la musique de ce niveau. Me fait choc, j'en ai trop marre. La musique de ce niveau, les mots me manquent. Ouais, elle est bien. Tu veux restart ou pas? Non, non, vas-y, on continue là. Pourquoi t'as fait un truc de merde là? Non, j'ai pris un choc aussi. À mon avis, on va finir choco, on va être à plus de 7 minutes. Comme ça. Bah, moi, mec, je suis à 6:40, je suis au Black Door donc. Non, pas plus, je vais reprendre une bleue sur la ligne, ça va me gaver. Bah, je vais vraiment reprendre une bleue sur la ligne. On va go restart en vrai, je pense que là j'ai. Ah, c'est bon, j'ai fini. 56. Tu veux restart ou pas? Non, ouais, j'ai un meilleur. Je sais pas comment, j'ai une meilleure pace que le run d'avant. 7... je suis à 7-0-1, mec, j'ai une seconde en de tout à l'heure. Mais... J'ai gratté. En fait, on est bien tous les deux, mais je sais pas comment ça se fait qu'on soit bien comme ça alors que. Enfin, on est bien. On est correct. Bien. Ouais, c'est correct, mais bon, quand même. J'ai gratté 1 minute 20 sur le dernier niveau. Mais du coup, attends, la secrète est en même pas au niveau des canons, justement. Comment? Le niveau de la sortie secrète, c'est pas celui avec les canons? Non, non, justement, c'est celui que je skip. Ah oui, d'accord, donc c'est l'autre, du coup. C'est le niveau avec les ronces. Ah oui, d'accord, oui, je vois ce que c'est, du coup. Ok, Twilight... Twilight Raid. Franchement, par contre, sur Return, ces niveaux, c'était mon Nemesis, hein, je les aimais pas. Mais en fait, sur Return, en fait, ils étaient trop punitifs, en vrai, c'est ça qui était chiant. C'était ça. Sur le jeu par contre ça a été amélioré parce que du coup t'as 2 vies, du coup c'est un peu moins punitif. Tu peux faire une erreur mais pas, tu peux pas en faire beaucoup. Bah là j'ai 3 coeurs avec Ronky. Ouais voilà. Moi je trouvais que c'était bien, je trouve que c'est bien dans Fairy Fist parce que du coup les niveaux sont un peu... Du coup c'est la même difficulté donc t'as une vie en plus qui est moins chiant que sur Return. C'est moins frustrant je dirais. C'est juste ça. Le jeu reste exigeant, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que sur Return, je trouve que c'était ultra exigeant ce truc. Hein. C'est ça. Tu peux faire Stry, hein, mais c'est exigeant. Ouais. Tu peux faire Stry si tu cherches pas, mais après, en plus, si tu cherches en plus les trucs cons, bah là, oui, bah là, c'est du Die and Retry. Enfin, sauf si tu connais le jeu par cœur. Non, c'est chiant. La cité secrète est juste là. Oui, en haut d'un... T'en as pas deux en plus de cité secrète dans ce niveau, t'en as pas deux. Il y a des niveaux et il y a deux cité secrète. Ouais. Ouais, bah je crois que je vais, il y en a deux, je crois. Non, il y en a qu'une, il y en a qu'une. Ah ouais? Ouais. J'étais persuadé qu'il y en avait une à la fin du niveau sur ce niveau aussi. Ni. Je crois. T'as pas un niveau au milieu, t'as pas trois niveaux et t'as pas... Si, je crois qu'il vient de sortie secrète, ouais, je dis n'importe quoi. Ouais, c'est moi qui dis n'importe quoi. 2-20. Bon, okay. C'est 21. Que donc j'ai pas gagné de temps sur 3-5. Si, parce que je me souviens du niveau avec le rocket là. Et il semblait qu'il y en avait deux, t'en avais un au fond de l'eau et du coup à la fin du niveau tu vas au fond de l'eau, je crois, et t'en as un et t'as celle qui est au passage au-dessus là que t'as pris. Ouais, voilà. Je te dis. Et puis du coup en fait t'avais 3 niveaux carrément, OK. Je crois que c'est peut-être un des seuls niveaux, je crois, peut-être que deux sorties secrètes, peut-être. C'est un des seuls niveaux. Le seul, ouais. Même le seul, je pense, ouais. Je suis en train de penser, ouais. Ah, j'ai pas le chien de ma pièce, je suis vraiment trop con par contre. Ah, c'est un peu de la merde. Okay. Là, ce passage-là, il est trop stylé, je lui fais ta roulade. Non, j'ai pas le tonneau. Ah, t'es mort. Je suis passé juste en dessous du tonneau. Parce qu'en fait, genre ma roulade elle est quasiment. Enfin, le saut il est quasiment pixel à ce moment-là en fait. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, j'essaie les strats de.
Non, en fait, je suis sur le Discord des speedruns du jeu, ils m'ont donné plein de strats. D'accord. Genre celle-là où t'es vraiment tué de le saut pixel, quoi. Genre ils m'ont dit de faire toutes les strats les plus... Non, non. Oh la chatte que j'ai eu. Ok, c'est bon, le niveau est fait. Oui. Oh, je me fais choc, frère, stop. Non, mais j'ai rechargé mon... Vouloir avoir un SMT, c'est de la merde. Et même avec la mort, je gagne 23 secondes. Ok, donc maintenant, ça va être le boss du monde 3. 11-25, oh, c'est de la merde. Oh, je suis encore pire que tout à l'heure. Bon, tout à l'heure, non, tout à l'heure, t'étais à 11-39. Ah, non, ok, d'accord, j'ai rien dit, donc j'ai gagné 14 secondes. J'ai rien dit. Tout à l'heure, t'étais dégueulasse. Ah oui, vraiment, c'était... Le boss du monde 3, je me souviens que c'est plutôt chill en vrai. Je crois que c'est le plus simple. Ah non, c'est pas le plus simple, c'est le fuck le plus simple. Non, c'est le. C'est Kigibunchi no Jutsu là. Oui, oui. Juste que j'arrête pas les patterns. Avec leur bombe là qu'il faut prendre. Ok, donc j'ai réussi ce cycle là. Non, j'ai pas réussi à break là. Voilà, je l'ai pas réussi à la break. Non, j'ai pas eu du tout, c'est chiant. La voiture ? Là, je me suis déjà fait double raid. Mais c'est Linkling, je déteste Linkling. Dégagez, vous servez à rien. Bon, bah, déjà, mon Cornish est infâme, hein, je tiens à dire. J'ai un Gloops au pire endroit. Ah bon, en fait, non. Phase 2. Je dans le tunnel. Pas assez haut. Au moins t'as pas steak. Ouais, y'a la bleue. Mais c'est grave, j'ai même pas le temps de spam ma banane. Bon, mon corniche c'est vraiment infâme, c'est ça. J'en suis déjà à ma troisième raid, hein. C'est horrible. J'ai vraiment des specs horribles là avec les voitures en plus, c'est une catastrophe. Ok, Kigibunchi no Jutsu. En vrai, paradoxalement, je trouve cette phase là beaucoup plus simple dans le combat, tu vois. Ah oui, ils font leur... Ouais, le Kagebunshin. J'attends juste qu'il envoie sa pastèque et puis voilà, t'es tranquille. Surtout que t'as juste à toucher un seul des trois pour que le coup soit validé en fait. Je crois que j'ai de l'avance encore, hein, mais pas vous. Parce que j'ai presque plus rien. Je suis sûr d'avoir de l'avance. Ok, puis un coup. Plus ça va, il me reçoit le patron le plus. J'ai 5 secondes d'avance sur mon tournage. Ah, ça casse les couilles, j'ai pas le MP. Hein. Ok, GG. Plus 22 secondes. Oh, ouais, ouais. 47-44 après le boss du monde 3. Je trouve que c'est plutôt une base sympa. Mon run est ruiné par ça, vraiment. Oh là, j'en ai marre de jouer. Ouais, par de la merde. Je me fais rouge la ouais. Pas de feuille. Et je me fais. J'ai une bombe en protège. Donc bah tu t'en doutes, hein, j'essaie de la poser. J'appuie sur la touche pour balancer l'item, je sais pas pourquoi ça balance la bombe devant. Donc en fait je me prends la rouge sur la strat. Là je fais choc au niveau du Nice. Bon bah c'est fini. Hein. Choc au niveau du champignon frère, bon ça. Et ça c'est juste parce que j'ai pris la rouge au niveau de la strat, hein, parce que sinon la rouge je l'aurais pris après le delta et j'aurais gagné 10 secondes quoi. Là, ça fait plus bien. Du coup, on bougeait pas de pièces. Oh les oursins, on vous hait les oursins. Voilà, on vous hait les oursins, ouais. J'ai raté ma strat. Ça va, c'est pas la catastrophe. Ok.
Ouais, j'ai perdu toute l'avance que j'avais. 15-41, bah non, mais c'est ça, hein, c'est... vas-y, c'est fort, c'est mort, hein, du coup. J'avais à peu près 7 secondes d'avance, je crois, et là j'en ai 4 de moins, bah rien, hein, parce que le truc à la strat, ça m'a mis. Oh, joli la strat, là, putain. T'as vu, mec? Ouais. Oh, oui, que la belle strat. On passe. 16-04, hein, horrible. Ah, t'as 10 secondes d'avance. Il y a une sortie secrète à prendre dans ce niveau en plus, bien caché d'ailleurs. Ah, tu l'as fait aussi? Ouais. Ah, moi je sais où elle est. En vrai, elle est cachée. En vrai, elle est cachée, mais tu te demandes surtout comment tu y vas, quoi. C'est ça. Elle est juste là au-dessus, en fait, là. Ouais. Je reviens dans son arrière. En fait, c'est qu'en fait, tu sais qu'il y a un passe là, mais tu sais pas trop comment t'y retournes. En fait, faut vraiment passer à l'aller en retour, retour en arrière. C'est pas un réflexe que... C'est pas un réflexe naturel, on va dire. Ouais, ouais, c'est ça. La même banane que tout à l'heure. Putain, les boss sont impressionnants. Et encore plus 20 secondes. Là, c'est 3 minutes d'avance. C'est vraiment un jeu de putain. Mal, en vrai. J'ai 3 minutes d'avance. Ouais, mais ça me casse les couilles juste parce que ça a pas de trick d'un endroit. Du coup, tout mon run est niqué. Je peux pas nice derrière. Je m'arrête devant la pancarte. Ça m'énerve. Honnêtement, là le run, il va se... le run il va jouer sur le boss du monde 4. Ah, le fameux. Ouais. Oh, le poisson, frère. Ah, bah je prends la bleue, tiens. Si le run il se passe bien, c'est celle 2 heures. Ouais, c'est mort. Hein. Si le poisson il se passe bien, c'est celle 2 heures. C'est le plus dur, le poisson? Ouais, c'est le boss le plus dur du jeu. Ah, même le dernier boss, il est pas si dur que ça? Il est pas dur, c'est juste des patterns. Des patterns et de la précision, juste ça. Le boss du monde 5, il est gratuit. L'ours, là, ouais. Ouais, il est gratuit. Sur la ligne. Oh, l'ours, il est quand même chiant, quand même. Hein. Non, il est gratuit. Bah, le truc, c'est vu que ses patterns, ils sont fixes, c'était gratuit, en fait. Ah oui, tu es, ouais, d'accord. C'est super cœur. Mais bah 18-15 comme avant. Le même temps qu'avant, quasiment, vraiment, je suis pas. Ah, ça me fait halluciner le temps que je peux faire au max. Quoi. Là d'ailleurs, je prends encore une sortie secrète dans ce niveau. Oui, il me semble que t'as deux niveaux et tu prends encore une sortie secrète pour avoir un truc. C'est ça, c'est un niveau à sortie secrète pour aller sur un niveau. Encore ça. Ouais, c'est un niveau à sortie secrète. Ouais, ouais, et après, dans le niveau, c'est un labyrinthe. Je suis à 40. Je crois que ça va rouler en plus. Elle est juste là. Voilà, elle est juste là, c'est ça. Il faut sauter sur les merdes d'avoir la liane. C'est ça. Tu veux en faire un Nova ou ça ira? Vas-y, un last en 150 et après si on continue, moi c'est du 200. Non, ça sera peut-être mon last, moi par contre. Eh bah, je perds 2 secondes sur le niveau, du coup, c'est pas grave. Dommage. Non, bah écoute, là on va sur le labyrinthe, je prends ma revanche sur le niveau là. Parce que mon premier run, c'était resté 20 minutes dessus, je m'étais perdu. Je suis même plus du labyrinthe. Moi maintenant c'est bon, je le connais. Je vais plus avoir. T'es prêt Nova ou pas? Ouais. Ok, 3, 2, 1, top. Je te demande pas si tu vas rester jusqu'à la fin du run, de toute façon je pense qu'il y en a encore pour 1 heure. Ouais, t'inquiète. Vu que tu travailles demain, écoute. Ah, écoute, ouais. Ah oui, je me souviens de ce niveau, si c'est, je m'en souviens. Il est horrible. Il est horrible, la seule raison qu'on le fasse parce qu'il est vu, il est plus rapide que les autres. Il est long celui-là, non? Non. Non, en vrai, ça va, il est pas très long. Quand tu le connais, il est pas très long, en vrai. C'est bien le problème. Il faut le connaître. Ah, un rouge au glider. Restart, hein. Rouge au glider, toi aussi, vas-y, restart. Hein. Allez, c'est ok. En plus, je me fais virer derrière par le Mario Tanikin. En fait. En plus, je suis vraiment passé un aux items et j'ai eu la pièce, il a eu la rouge.
Maintenant, en fait, regarde ça, hein. Si on fait rouge au delta, on restart un ou deux, hein, sur la solution. Ce qui a fait que je suis resté 20 minutes sur ce niveau, c'est que je savais pas qu'il fallait prendre les bananes ici en fait. Ah, parce qu'il faut monter en haut. C'est ça. Putain, des chargements de partout. Fin. Et en fait, là en bas, t'as la clé bleue, juste ici. T'es bon, t'es prêt Nova? Ouais. 3, 2, 1, top. D'ailleurs, je vais voir qu'on a gagné des mers avec ce monde d'ailleurs. Oh, je vais le voir juste après. Alors, c'est plus rapide de passer en bas qu'en haut. En plus, c'est des bananes. Donc des vies. En fait, mon plan c'est de gratter le plus de vie possible si ça se passe mal au monde 6 en fait. Ok. Parce qu'en fait, le monde 6 c'est là où j'ai le plus de chances de perdre des vies. Alors, les niveaux sont, ouais, sont, les niveaux sont assez techniques. Hein. C'est pas qu'ils sont techniques en fait, c'est qu'ils sont punitifs. Vas-y, restart. Bah, c'est comme là, il y avait aussi une rate qui m'arrivait dessus, tu sais quoi. C'est bon gros. Mais non, mais les bots, ils spamment tellement les bots que la rouge je l'ai même pas prise pendant le delta, j'ai réussi à la prendre avant, c'est... C'est incroyable quoi. Il a spammé sa rouge le gros chien, ça va, j'ai jamais vu ça. J'ai perdu une seconde, ça va. Bon, toi tu as pris dans ça le va, ça. Alors ouais, ouais. J'ai 2 minutes 25 secondes 80 centièmes à récupérer sur ce niveau. Explosion, je sais plus ce que c'est le 4-5. Je pense qu'il s'est très mal passé. C'est un niveau sympa ouais. T'es prêt Nova? Ouais je suis prêt. 3, 2, 1, top. Je pense qu'il va me revenir quand je le verrai. Ah si c'est bon, je me rappelle. Il est super sympa ce niveau, il est bien chill. Ah j'ai pas spam au début, enfin... Oh, une seconde, c'est rien. En plus il a une musique incroyablement chill ce niveau. La même musique que le 1. J'ai pas de rouge au delta, j'en ai marre. Mais où je cherche foutre, vas-y restart. T'as encore une. Ouais, non mais je vais prendre l'item en deux, vas-y. Parce que les couilles je vais ralentir quand même. Parce que là, oh non, encore putain. À ça là. Oh, t'es fait rouge toi aussi ou pas? Je m'étais pas fait rouge mais j'ai redémarré vu que t'es fait rouge. Je suis vraiment tombé là. Casse les couilles. Je sens même que ça t'était jamais arrivé ça. De quoi tomber ici? Ouais. Oh, c'est technique là. Non, je savais que je l'aurais pas le saut, donc c'est pour ça que j'ai préféré ralentir. T'es prêt, Nova? Ouais, ouais, go. 3, 2, 1, top. Allez, pitié là, c'est bon, cassez pas les couilles là. J'ai marre de me faire baiser à chaque fois là. J'ai pris une baffe là. J'ai été sauvé par la complaisance du jeu surtout en fait là. Je crois aussi hein, je crois. Putain gars, j'ai une protect. Dis-moi que tu te fais pas rouge au delta, pitié. C'est bon. On a encore quelque chose qui tape de merde là. Là le jeu m'a bouffé un saut en fait là. Il m'a bouffé mon sang clairement complètement. T'es tombé, j'avais noir. Je me suis bouffé mon input. Dommage. Vas-y restart. Quoi? Vas-y restart, non c'est bon. Ok c'est bon. Vas-y dernier et puis après j'arrête de casser les couilles. Là c'est bon. Putain, j'en ai marre, sérieux. Quand je me fais pas rouge, j'ai sous-tendu des trucs et je vis. Ok, je regagne quand même une minute. Genre, j'ai bouffé le mur au niveau du cut room, c'est bon. Oh non. C'est bon? Arrêtez, ouais, je suis prêt. 3, 2, 1, top. Ok,
Et donc là, tant pis, là, je starte pas, tant pis, j'aurai un pari dégueulasse, hein, mais vas-y, oh le bol. T'es pas au niveau du. Avec du les courants, avec les courants. Non, le poulpe, okay. Le poulpe, on le skip, hein, il est bien, il est long au niveau, il fait 4 minutes. Oui, c'est un niveau le plus long du jeu, non? C'est le plus long du jeu. Ah, c'est le plus long carrément, d'accord. Bon, en même temps, il y a l'histoire avec ce poulpe. Après, on raconte une histoire. Ce qui est dommage en plus, c'est qu'il a une musique incroyable. Enfin, le niveau, il a une musique incroyable en fait. Casier de Lockjack. C'est une musique donc qu'on contribue d'ailleurs. Ok, après, je connais pas les musiques, j'avoue que les OST, je les connais pas du tout. Ça, c'est. En fait, le problème, c'est que je peux pas en parler sans cracher tout mon amour pour David Wise en fait. Tu vois. Là, l'ennemi il est bien fort, mais c'est. Ah, j'ai une bleue des. Oh, mais c'est trop, le bot il me rouge deux fois, j'ai même pas le temps de choper une protect. Je me fais choc bleu. Ah bah ouais, tiens, moi je suis fait bleu choc, mec. Ouais, vas-y, c'est bon, vas-y, moi j'arrête, hein, vas-y, c'est bon, ça sert à rien. Ça rage kit ? J'ai rage kit, hein. C'est un Nova ? Oh non, trop relou, trop relou. Là, je sais pas les. Le bot qui arrive à me cracher deux rouges en même pas un slot d'item, je peux en break aucune parce que j'ai plus de protect. Et je peux pas les break parce que je suis en ligne droite. Après, je me fais choc, après, je me fais bleu. Le bot me re-rouge entre temps. Non. Trop grave. C'est parce que t'as mis des BP en haut de ta tier list, c'est pour ça. Ouais, c'est super. En plus, j'ai refait une tier list, elle c'est même plus en haut. Et même ça suffit pas. Non, faut que tu mettes une belle map en 1, tu vois. Non, c'est gavant. Après, belle map, je fais mes standards, tu vois. Comment ça me gonfle? Ok, on passe. Bah, je me fais double choc. Ok. Je vais faire un 2-30 là. Ouais, 2-30. Bien. Non, moi ça va déco, hein. Ça va aller dodo en soir. Bah, bonne nuit, hein. Bah, bonne nuit, hein, du coup. Ouais, allez, bonne nuit, à demain. Bisous. Allez, Nova. À quel point je gagne du temps? J'ai raté mon départ. Ok, je suis 5 minutes devant mon temps là. Pas mal. Et maintenant, moment de vérité, le boss. Ah oui, le poisson. J'ai 8 minutes à sauver. 8. Ok, phase 1 terminée. Ça fait choc. Non. Ok, nice. 29, c'est que c'est dégueulasse. Pour le moment, ça se passe bien. Oh, le poisson. Let's go, phase 3. T'es bien là pour l'instant, hein. T'es pas trop mal. Hein. Pour le moment, c'est là que ça peut mal se passer. En fait, juste faut pas se faire coincer, quoi, c'est ça le truc.
Ok. Le reste de cœur. Oh, c'est la sauce là. Non, ça va. Nice. Je peux lui mettre un coup. Oh, il y avait une banane, je l'ai raté. Encore un coup. J'ai Patrick, c'est chiant. The pattern, il devient bizarre. Nice. Oh, le goût, t'as gagné du temps là. Combien de temps j'ai gagné, j'ai gagné 7 minutes 39, 12 minutes en avance. Je suis sur une pace up 2 heures là. 1h05 après le boss du monde 4. Je vais un hard, j'ai pas le temps de le spam. Je vais le spam. Ok, Harvest Hazard. Oh, on a sur le meilleur niveau là. Mon niveau préféré du jeu. J'avais une notif Discord, mais ça va. Par contre, le chargement il est un peu long là. Ah oh ouais, ce niveau il est fou, putain. Ah les pinces, c'est ton gnoc. J'ai plongé. Dommage. Je pense qu'on voit ça, mais... Ok, parfait. Oh non, j'ai été un peu trop ambitieux là-dessus. Surtout qu'après c'est un niveau rocket barrel donc. Je fais double choc, mais stop. Putain, le niveau était si bien, j'aurais gagné du temps, je vais en perdre que j'ai pris double choc. Et avec deux morts, je gagne du temps quand même. Putain. J'aurais dû être à 9-10 et je suis à 9-24 parce que je prends double choc. Reckless Ride. C'est quoi tu as déjà? Rocket Barrel. Ah c'est Rocket Barrel, ok. C'est pour ça que c'était le niveau avec la gélatine là. Non, on le fait pas dans le run ce niveau. On le skip, il y a une sortie secrète dans le 5-4. Ok. Sortie secrète qui est bien à la fin du niveau en plus. Je me souviens que j'avais un pote qui appelait ces niveaux-là les niveaux Flappy Bird. Flappy Bird, ah ouais. Parce que le jeu, enfin, sur Wii U, il est sorti au moment où Flappy Bird c'était hype. Donc, ah, dans l'idée, c'est un peu ça, hein, tu vas me dire. Bah, tu sens que le jeu sorti en 2014, quoi.
Ah oui, le robot là, putain, quel dingue ce truc. Tu connais son pattern encore, ça va, tu vois. Oui, oui, ça va. Alors là, je ne vais pas chercher le cœur. Il y a un piège. Ouais, t'as 3 vies donc ça va. Moi j'ai 3 vies, mais c'est un piège quand même, tu vois. Ouais, bah oui, il y a la bleue, bien sûr. Bah, je me fais raid, pas parfait. Ah bah non, c'est trop tôt. Bon bah, je prends bleu raid. On se 26, c'est de la merde. J'ai 30 dix à ce moment-là du jeu, ça va, je suis tranquille. Je pense qu'il n'y a aucun niveau dans le jeu où je peux perdre 30 vies. Ah, la partie des lames. Ça va. Mais tu te dis, ils ont fait un niveau dans une jungle où ils font des sorbets. Quelle idée de fou en vrai. C'est le jeu il est incroyable. Ah, vas-y, là, vas-y. On me boom à verte, non mais c'est trop. Je gagne encore du temps. Et tu t'avais dû être mort, non? Je suis mort une fois, ouais. Ouais. Ok, Fruity Factory. C'est là-dedans qu'il y a une sortie secrète? Il y en a une, mais je la prends pas. C'est celle d'un niveau après que je prends celle. Non, mais non. Mais tu dois te souvenir de ce niveau là sinon. Qu'est-ce que c'est déjà celui-là? Non, je le fais raid encore, stop. Avec des fistinières aussi. Tu... Oh, si, je me souviens avec les plantes là. Oui. Je vois pas la voiture à cause du blues. Bon, on va se dire que mon speedrun il est catastrophe. Pas continuer sur ça, ça sert à rien. J'ai la tellement de temps de retour de zone. Vas-y, je m'arrête là. Ok, vas-y. Moi, il me reste une demi-heure, je dirais. Non, mais en fait, j'arrête juste mon... Ok. Mon stream là, je reviens. Ok, ok. Salut Moa. Salut Kiki. Ça va? Nice. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. T'as mis de la musique. J'espère que t'as pas mute le pote. Si, je l'ai mute. Oh merde, pas drôle. Bon, bah attends. Je suis en stream, je vais me faire DMCA. Mais non, c'était 94. Tu peux pas te faire DMCA sur 94. Ah. En fait, je voulais te mettre ta musique, partir et puis te foutre le seum, mais bon. Je pense que c'est un échec. Ouais, c'est un échec là. attends, j'essaye une autre. Merci pour le raid, Siki. Et celui-là, tu l'as mute ou pas? Mais non, j'ai mute le bot en fait. Ah, mais t'as mute les deux bots? Oh, t'es pas drôle. Bon, bah tant pis. Désolé. Je suis dégoûté. Bon, allez, bonne nuit. A plus. Bonne nuit. Vas-y, mec, je regarde ta run. Ok, nice. Je gagne encore du temps. Ah, oh là. Par contre, j'ai un gros potentiel de perdre du temps sur le prochain niveau, par contre. Aïe. Parce que je me souviens que même pour le goal, j'ai passé, je crois, une petite heure et demie, je pense. Hop. Bon, je suis content. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai bien joué. Hop, ça fait plaisir. C'est difficile de mal jouer quand tu ne joues pas, tout court.
Ouais, mais aujourd'hui, je sais que j'ai bien joué sur MK là. J'ai bien. Dans l'ensemble, j'ai été assez bon. J'ai pas fait trop de conneries. Je suis rentré à 22h30 chez moi, donc j'ai pas l'énergie de jouer ce soir. Je peux comprendre. Ah oui, ce niveau-là. Je me souviens de celui-là. En fait, le truc, c'est qu'on ils sont en train d'acheter des nouvelles caisses, donc du coup, on a tenu toute la journée avec cette caisse. Ah oui, d'accord. Ça s'est passé aussi bien que tu le penses. Parce que j'ai plus le temps de passer. Nice. Ah oui, ce moment-là, il est un peu chiant. En vrai, ça va, ça passe. Ah oui, ce moment-là. Celui-là, il est un peu relou, je crois. En vrai, ça va. Une fois que t'as compris qu'il fallait passer en bas. Oh, ambitieux, ça. Ambitieux, mais rapide. Quelle horreur, cette boule. Ce moment là, pas mal ce moment là. La cité secrète elle est là. Ah oui, ça je m'en souviens, ouais. Celle-là elle était en bas, je m'en souviens. Bon, ça fait rondement mené. J'ai gagné une minute. Oh, c'est incroyable. Oh, let's go. La pace elle est exceptionnelle là. 1,55. Ça, ce niveau en speedrun, il est incroyable aussi, genre... Oh, celui-là, il parle. Je connais... Le nom-là me parle. Oh, c'est trop marrant. Putain, ça... Il y a plein de niveaux, là. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Putain. Je crois que ça, il est vraiment pas mal aussi. De souvenirs. Ah, faut rater son timing. Oh là 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 là, oh la honte. Le spam du joueur français. Ah bah après t'as tenté de grid en vrai. Hein. Non, j'ai juste spam. Ah oui, t'as fait. En fait je pensais que c'était un tuyau qui dirigeait automatiquement, tu vois. Ah oui, ok. Oui, ce niveau là il me parle. Avec les trucs presse, avec les trucs là. Avec des personnes qui disparaissent là. Des personnes qui disparaissent. Là, tu vois, c'est une chance que les trucs ils te tuent pas en un coup quand ils t'écrasent. Oui, c'est des pics, ouais. Ok. C'était greedy, mais ça passe. T'arrêtes. Voilà. Faut faire gaffe. Ah, dommage. Non, en vrai, ça va. Rien à foutre là vraiment. Antise. Antise. Oh non. Oh non, le saut raté là. Oh. Deux fois. Non mais écoute, hier. Ah, on est déjà pas mal de temps là-dessus là. En vrai, non, je crois que j'ai deux morts sur la BV. Je l'aurais. Je l'ai eu. Bon, c'est pas grave. Ok. Je
votre niveau il est presque fini. Ouais. Faut monter de canon en canon, ouais. Ok. Je perds une trentaine de secondes, ça va. Ouais, ça va. T'as peur en plus alors que t'es mort deux fois. Trois. Trois fois même, pardon. Trois fois, il y a celle au début. Mais là, c'est le niveau où il y a les. Le premier niveau où c'est freeze. Il y a des boosts. Sortez. Il y a des boosts de zinzin à aller chercher ici. Sorbet suspect, putain c'est lesquels ceux-là que je suis cassé la niveau déjà, faut que je m'en rappelle. Oh si attends, si ça me parle. Oui. Avec les faux avec les petites foreuses là, oui je vois ce que c'est. Ce niveau il est un peu compliqué je crois. Là, il faut tambouriner pour passer. Hop. C'est ça. Et là, regarde, tu vois ce truc là, il pousse. Attends que je fasse une roulade. Oh, t'as été carrément bloqué sur le. T'as vu la violence du boost quand même. Ah là, t'as là, le boost il est violentissime. Hein. Comment je suis mort? Comment je suis mort? T'avais plus de vie là. Non, pourquoi? En fait, j'ai une question que je comprends pas, c'est quand je me suis fait toucher en fait, surtout. Ah, parce que t'es dans... Ah oui, d'accord, tu t'es pas censé te faire toucher là, c'est vrai. Oh, les esquimaux là, traverser, c'est trop bien. Encore un boost? Oh là là, mais les boosts! Ok, non, je l'aurais pas eu. Contre lui! Ah, à ce moment-là, il est un peu relou! Il faut se rescouer un peu. Écoute, tu as le reboost derrière. Oh là là! En plus, avec Ranky, tu peux conserver la vitesse des boosts en fait. Oui, c'est pas mal, effectivement. Ok, on est à la fin du niveau. Oui, il faut passer le passage là qui est un peu chiant ici. Non, ça va. Il faut attendre un petit peu pour pas se faire toucher. Ok, maintenant le boss. Oh, le boss. Oh, l'ours. Putain, j'avais su que l'ours il était vachement dur, mais. Mais non, mais en fait, sur Wii U il est dur. Sur Switch il l'a pas. Ah. Je te répète que les patterns ils sont fixes. Mais sur Wii U il l'était pas? Non. Ah bah c'est pour ça que je trouvais que c'est pour ça que le... Sur Wii U le boss il est abject. Hein. Oui parce que j'avais un souvenir du boss sur Wii U, il était horrible. En fait ils ont facilité un peu le jeu en fait sur Switch non? Clairement. Salut mon pote. Là oui, là il lance ses glaçons. Oh, il est trop marrant. Je vous fous avec. Tu parles que dans là il est fixe. Il regarde toujours au milieu, ok. Et il va à gauche. Ah ouais, ok, il est pas random. Putain, vrai que son vidéo il était horrible, je me souviens. Oh là là. Je vais péter un câble sur ce boss. Hein. Là il va à droite. Normalement c'est au troisième. Ah ouais t'as vraiment des patterns fixes en fait, d'accord. Ah ouais donc du coup ça rend beaucoup plus simple du coup, c'est il faut que je apprendre à faire et puis voilà. Pareil le moment où il te met une fin c'est fixe tu vois. Trop marrant ça toupie. La toupie c'est un moment pour dire qu'il est bah, il met une arme. Là il va sauter encore. Ah oui, là par contre il fait une onde de choc je crois. Il y a beaucoup de boss qui font des ondes de choc par contre. Là, là il va à gauche. Là il se fait la toupie. Non.
Ah non, pas encore. Il le fait deux fois là. Ça. Là normalement il devrait me donner un cœur. Et c'est sur la troisième place qu'il le fait trois fois. C'est ça. Oui, non, en fait, ça va, en vrai, en fait, quand tu suis l'atterri, en fait, c'est facile. Quand tu connais le pattern, il est gratuit, boss. Il est juste long, quoi, parce qu'il fait ses trucs, quoi. Ah, par contre, tu vois, ouais. Et vu que ça glisse aussi, ça me rend, en fait, ça glisse. Oui, en plus, ouais, la run est pas facile. C'est pour la P3, c'est avant la P3 en fait qui donne des cœurs. Non. Même en PR il peut donner des cœurs en fait. Ah, les cœurs par contre c'est un peu random. Du coup je pense. Ouais. Ouf. Ok, ouais, c'est un peu chiant là quoi. Non, ça va. Ouais, j'ai préféré prendre le coup avec, mais c'est pas grave. Oui. Au moins tu vois c'était safe. Autant mettre un hit quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc là c'est okay, le moment où il va. Ah oui, là il lance des météores là. Et même le moment où il met une feinte, je le sais. Là tu vois, c'est le fuck. Et là celui-là il est super vite. Là il va m'attaquer. Ah oui, là ça fait onde de choc, je fais un coup de marteau. Ok. Et là donc normalement le. Ouais, il est fixe parce qu'en vrai sinon le pattern il serait vraiment abject en fait s'il était RNG. Donc là tu vois, c'est dans ce pattern là que je peux le tuer. Celui-là. Et j'ai raté encore. Ah, t'as pris des glaçons. Bon, j'ai raté. Mais sur mon PP aussi, j'ai raté à ce cycle-là. Mais là, c'est un pattern, ça va. Ah oui, ça va, celui-là, il est bien. T'aurais pu le tuer une semaine plus tôt, quoi. J'aurais pu le tuer 10 secondes plus tôt, tu vois, mais c'est pas grave. Ok, 1.26 après 5B, ça va. Oh là, dans le monde trop stylé là. 26 du coup. Oh, le speedrun de 6-3 et 6-6, tu vas être choqué de la brutalité que je mets au niveau. Jungle dégivré. Ah voilà, donc ça c'est le premier monde de Returns, mais en gelé. C'est ça. Pas mal. C'est trop bien, vraiment, c'est trop bien. Ils ont fait une dinguerie, je te jure. Ouais, je suis d'accord. La musique, pareil, là tu vois la musique, tu vois la maison de Donkey Kong juste au-dessus là. Ouais. Ils ont fait trop gaffe à l'arrière quand alors personne ne le regarde. En plus, ce niveau, j'ai détruit au fur et à mesure. Ouais, mais là, j'ai sauté trop tôt. Dommage. Je crois que je dois avoir deux ou trois morts sur ce niveau dans mon PB. Ouais, parce qu'il est pas simple quand même. Je sais pas qu'il est pas simple en fait, c'est que il est tricky. Ouais, il demande un peu quelques petits réflexes. Ouais, ok. Oh, les petits sous, ouais, c'est pas fait là. L'appareil, un petit boost. Ah ouais, du coup tu peux carrément pas skip la partie là, oh, ok. Non. Oh, ok. Ah oh, oui, ils sont chiants les lapins, ils font des ondes de choc et tout. Ouf. Oh, ça fait cata. Le niveau est presque fini là. Ah ouais, ah, mais il est court en fait ce niveau. Je crois que j'ai pas eu la roulade, je crois que je suis mort. T'as pas eu la roulade, ouais. Non. Je le savais. Ah, t'as vraiment le seum là. Je le savais. Alors c'est trop con, en vrai tu l'avais en plus, c'est dommage, t'es retombé dans le mauvais trou. Je le savais.
Attends, c'est dommage, du coup t'aurais pu gratter le temps que t'as perdu. C'est beau quand ça soit... c'est bien quand ça soit mieux quand même, non? Bah ouais, t'avais pas fait la roulade, t'avais pas fait la roulade, donc ouais. Ouais. Là, surtout que j'ai pas beaucoup de temps à gagner sur le monde 6, parce que le monde 6 il est vraiment bien dans mon PB. Genre, je crois que c'est 5, je dois avoir une ou deux morts, pas plus. Alors que 6-5 c'est le niveau le plus dur du raid, hein. Oh le niveau de la plage. Alors David Wise a dit que c'était sa plus belle composition de all time. Il faut pas tomber dans l'eau, je crois que sinon tu meurs instant, non? C'est pas non, ça. Non, tu prends un quart de dommage. Ah, ok, tu prends des hits. Ouais, mais c'est ça. Va. C'est vrai que par contre, c'est vrai que dans les temps, c'est vrai que le dégât il peut pas nager. Ça me termine, hein. Vraiment, il se noie comme une loque. C'est vrai que aussi, les temps c'était pas bien parce que du coup, t'avais pas vraiment. T'avais dans l'eau, c'était finito quoi. Alors que les niveaux aquatiques, c'est probablement le meilleur dans les Donkey Kong. J'avoue, l'habilité est incroyable. Et tu sais, aquatique, je le trouve tellement mieux que dans les Mario, etc. Typiquement. Tu me sers, je me prends un petit dommage ici. Ah, parce qu'en plus, ça te fait un peu sauter, c'est ça? C'est ça. Ah ouais, c'est marrant ça. Oula, par contre, fais attention quand même. Ok. Là, ici, y a un cœur à aller gratter. Ah oui, d'accord. Ah parfait. Alors on va attendre patient ici. Ah oui, c'est le bateau là. Ah non, je vois plus rien, ça y est. Okay, donc là il y a un saut. Pas évident à attraper ici. Non, je débat. Ah, l'aide, je vois plus rien, ça y est. Du niveau? Ouais, je vois plus ton écran là, ça y est. Attends, je vais. Ah, si, c'est bon. C'est revenu. Ok, nickel. Ah, oui. Il y avait un problème de quoi, mais c'est bon, c'est revenu. Ah, oui, je me souviens de ce passage là aussi. Le niveau, il est fini. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va, c'est bon, c'est revenu. Ok, 6-3. 6-3 en speedrun ce niveau. C'est quoi le 3? Le 3 c'est des ruines, non? C'est pas ça? C'est ça, avec Dead Assault. Ah oui, le monde des ruines dans. Attends, il était pas mal, je me souviens. Je m'en souviens plus trop. Ok. 6-4, ouais, c'est Rocket Barrel. Je me souviens du boss, c'était l'oiseau là dans son chaudron là. 6-4, c'est Rocket Barrel, donc je me prépare psychologiquement à perdre 5 vies dessus. C'est pas le... Ah non, ah oui, c'est Rocket Barrel, c'était pas le wagon là? Non, y a que ça dans le monde 4, mais... Quel monde 4, c'était quoi déjà sur Return? Je sais même plus. La grotte. Ah oui, niveau des grottes, c'est vrai. Roulade là. Au niveau, il est bien à faire en vrai. Il est agréable en tout cas. Oh là là. L'ennemi, il est placé là en haut. Il est placé là exprès. Je refuse de croire en trop. Okay. Ah oui. Oula, la panique. Ah oui, là ici, il faut monter là. Oui, je m'en souviens. Ah, tu peux rush par ici. Ouais. Et là, c'est bon, c'est fini. Oh là là, mais il est tellement rapide! Ouais. Et avec tout ça, je perds une seconde quand même. Ah ouais, donc t'avais fait un encore plus de ouf qu'avant. Ah ouais. Je te dis, je suis à 2 secondes du record du monde sur ce niveau. Caverne croulante. Ah oui, voilà. 6-4. J'ai eu mort sur ce niveau, dans mon PV.
Il meurt. À toute fin. Ah oui, en plus. Ah oui, c'est avec la... La, la boule, boule de neige ou je sais plus quoi là. C'est ça, juste trop tôt. J'ai vu les canons de boule de neige. Oh là là. Je m'en fous, okay. Je m'en fous perdre de la vie. Ici. Bon, de toute façon, c'est la roquette donc oui, t'en as rien à foutre. Je vais jouer méga safe. Hein. Ok. Ça sert par contre les roquettes, c'est souvent, les niveaux qui sont les plus impressionnants en vrai. En fait, tu vois le niveau se construire autour de toi en fait. Ouais, ça c'est marrant, ça je trouve. C'est trop bien fait. Puis tu sais, c'est le niveau qui raconte une histoire en fait, tu vois. Oui aussi ouais, c'est vrai que ce niveau là raconte vraiment une histoire. En ce moment il est un peu chiant. Non ça va. C'est assez calme. C'est après que ça score. Ah oui la chauve-souris là, ah oui je m'en souviens sur, sur Return, bon dieu mon dieu. Oh la chauve-souris mon dieu, on fait des cauchemars cette chauve-souris. Hein. Je me sens que t'as la bouffe pour remonter je crois. Ah non c'est bon, je peux passer en dessous. Oh là. Tendex. T'as un cœur qui traîne là? Non. Faut pas crever là. Non, surtout que le checkpoint il est un peu loin en plus. Oh! C'était mort. Ouais. C'était échec et mat là. J'étais trop haut. Regarde où ça va, Ben. Ouais, t'as perdu 2 vies sur le même endroit, c'est dommage. Mais je me souviens d'un moment qui était ultra chiant avec les boules là. C'était celui-là. Ouais, c'est celui-là, ça me. Même ce moment-là, il est un peu chiant en vrai. C'est pas le histoire de timing en fait, c'est que c'est de l'inertie en fait, surtout. Ouais, l'inertie de la raquette est très chelou quoi. Même s'il est mieux fait, je pense, dans ce jeu là, je pense. C'est mieux fait que dans Return. Dans Return, je trouvais les niveaux pareils, j'ai trouvé horrible sur Return. C'est vraiment. Même les chariots, je les trouvais pas agréables. Le 6-2, en fait... le 6-2 est incroyable. Oui. Celui où t'es avec l'œuf là. Ah oh, oui, l'œuf, ah oh, oui, voilà. Ah, celui-là, par contre, je trouve plus facile comme patin avec les grosses boules. Ouais. En plus, on était juste à la fin. Là, c'est fini. Hein. Oh, c'est rep. Ah ouais, c'est chiant quand même. Là, j'ai commencé à perdre du temps ici. Là. C'est trop tard. C'est le moment là aussi, c'est le moment là aussi où t'étais mort. Ouais. C'est exactement ce moment là que je suis mort. Bah du coup tu seras mort deux fois dans le rap que t'avais dit quoi. C'est pas grave. Ok c'est bon. Moment de vérité ici. Hein. T'as une sensation grave à faire ou pas dans ce niveau, t'enchaînes pas... Non, j'enchaîne. Ouais, t'as pas de secret, je crois, dans ce niveau. Si, hein. si, il y en a. Mais ils sont pas rentables. Ils sont pas rentables. Donc là, c'est la jungle, je crois. Non, c'est la forêt. Et la forêt, pardon, ouais. C'est le niveau le plus dur du jeu. Espèce de mort. C'est pas celui avec des flocons qui tombent? Si. Ah, ouais, donc celui-là, il me parle. Ce niveau est horrible. J'ai un souvenir d'un niveau un peu chiant que des flocons, ouais. Oui, ce niveau-là avec les flocons, oui, je me souviens. Oui, je me souviens. Ce niveau me parle. J'ai joué safe à mort. T'étais mort combien de fois sur ce niveau? Une.
Oh bah voilà, voilà, safe. Ouais, t'as eu chaud quand même, hein. Ok. Ok, tu peux récupérer de la vie là. Ah, dommage. Ouh. Ouais, tant d'axe, hein. Oh là là, mais le rock boost, mais bordel. Désolé, je dis plus rien, mais je suis trop concentré là. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Le niveau est vraiment pas simple, donc ouais. J'ai lâché une demi-frame le bouton ZR. Ah, c'est dommage. Grave. C'est pas grave, je reviens juste à côté. Ok, ça va. Ça va, en vrai, c'est pas trop mal, je crois. Moins 16 secondes. Ah, t'as gagné du temps, je crois. Ouais, 16 secondes, 16 secondes. Ah, let's go, ça, c'est pas mal. Ok, 6-6, mon niveau préféré du raid. Ça, c'est le niveau des falaises, ça. C'est ça. Après, c'est l'usine et après, c'est, les... c'est le volcan. Ouais, le volcan, le niveau, il est incroyable. C'est avec Rambi. Ah oui, 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 je crois me souvenir du niveau. Il était pas mal, ouais. Ah oui, celui en plus là, il est en. On en bosse long. Trop bien, bordel. Il est trop stylé ce niveau aussi. C'est une masterclass ce niveau aussi, bordel. C'est le premier niveau qui speedrun, je suis là d'ailleurs. Ah ouais mmh. Ok. Bon, dommage d'avoir au début, mais. C'est pas grave. Voilà, ça c'est pas mal. Sauf pour le cœur de mage ici, il y a un barrel juste ici. Hop, là tu montes, paf, petit canon. Pas de boîte, ça rentre pas, tu remontes une avalanche, c'est trop bien en vrai. Là, ce saut, je trouve trop stylé. Je le trouve trop bien ce niveau, vraiment. Oh, frère. Oh non. Oh, l'input, t'as raté l'input, dommage. J'ai fait mon double saut trop tôt. Mais là, je vais perdre un peu de temps sur ce niveau, c'est pas grave. Je disais que je me récupérais sur le 6-7. Après, pour le sub 2 heures, t'es pas mal encore. Oh, je peux encore perdre beaucoup de temps sur le boss de fin, par contre. Ah oui, le boss de fin, il faut pas. Il est assez long, quoi. C'est surtout que son. Je connais ses patterns et je sais qu'il y a des patterns qui sont chiants et que j'ai envie de voir. Ouais, ça c'est dur, c'est... Ouais, ça c'est bien rushé, hein. Ok, et là du coup c'est la partie où faut monter. Hop, oh, dommage. Oh, c'était à la frame là par contre. Oh là, mais le saut! Je devrais pas perdre tant de temps que ça, final... que ça au final. Comment tu l'es vite? Je devrais même en gagner. Même. T'as fait un saut insane par contre, hein? Lequel? celui avec.
pas le moment, pas le moment que les pingouins, mais celui d'après. Ah, ok, ouais, je vois. Et t'as été pingouin, canon, et après t'as fait un insane là, un espèce de rock boost qui t'a amené tellement loin. Y'a pas, enfin, pas de boost à ce moment-là. Bah, bah alors, c'est ce soir sous des pingouins alors. Ok, ouais. T'as impressionnant par contre celui-là. Ah oui, la centrale, pas mal ça aussi. Niveau de l'usine. Alors. Dans Return, sur le premier niveau de l'usine, en ombre chinoise aussi. Incroyable. Oui, c'est vrai, puis après, du coup, après, t'as allumé l'usine pour faire le reste des niveaux et tout, c'est trop marrant. Là, t'allumes le réacteur. Ah oui, c'est les plateformes où t'as les espèces de... Où t'as les trucs électriques qu'il faut pas passer dessus. C'est ça. Oui, je me suis dit, la mécanique aussi est trop bien, putain. Tu remarqueras que je m'en fous de l'électricité par contre. Oui, bah oui. Je trouve que le principe trop stylé en vrai. Ouais. Avec... C'est vrai, c'est vrai que c'est tellement original, putain, les niveaux, ce niveau-là, bordel. Je te dis une idée et tu fais tout niveau dessus. Vraiment, c'est incroyable, hein, vraiment. J'avais oublié à quel point le jeu était exceptionnel. Oh, ça c'est la mort, ça je reconnais. Ouais, c'était trop tard, Ou trop tôt, je sais pas, c'est selon. Pas trop tôt, mais... Voilà, ça va, là c'était bien. Hop. On va rien à foutre, hop. Ouais, petit cœur quoi. T'es pas dans une sortie secrète aussi? Non, non, t'es pas dans le jeu. Dans... Je sais pas, je m'en fous de sortie secrète dans mon ça. Ouais, ouais, je sais. Et j'avoue que je sais plus du tout. C'est vrai qu'il y en avait une dans ce niveau, il me semblait, mais. Okay, peut-être pour le niveau du bas, je pense, peut-être. Ouais, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Clairement, je ne sais pas. Si, oui, oui, je me souviens. Là, tu vas sur le niveau du bas, ouais. Le volcan. Là, c'est le volcan, là. Si, si, ouais. Avec les musiques de Homecoming Agings. Et là, en vrai, c'est un speedrun avec le Rhino, là, ça, je m'en souviens. C'est ça. Oh, c'est trop bien, ça, putain. Tu sors de l'usine et hop. Tu passes de la lave. En plus, niveau il est tellement technique en vrai, par contre. J'ai passé du temps. Ouais, ouais, il est. C'est pas très speedrun ça, mais. Non, c'est parce que en fait, Rambi il est un peu bizarre à contrôler. En fait, il est un peu lent dans. Très lent. En fait, il faut vraiment un peu de vitesse pour qu'il soit intéressant, sinon c'est de la merde. Oula, t'as failli crever là. En fait, je procède à chaque fois pour savoir si je suis safe parce que je suis mort tellement de fois dans cette section là. Ah, pas mal. Moi, oh, je suis jamais mort ici. Me doute bien. T'as eu peur, hein? Un peu. Je crois que c'est là maintenant qu'il faut speedrun de fou là. Non, non, c'est un peu après. C'est encore un peu après? Ouais. Bon, c'est limite là. Oh là là, c'est limite. Oh,
Oh putain, j'ai oublié que c'était. Ouais. C'est juste après le. C'est ici. Oui, c'est là. Là, t'as la grosse vague de lave qui arrive, t'as le mur de lave là. Et là, par contre, faut foncer. Et là, par contre, faut rater aucun saut sinon c'est la sauce. Hein. C'est la mort, c'est bien vu à la mort. Pas voulu sauter le jeu, mais tranquille. Pas mal encore là. J'ai perdu 17 secondes avec la mort. Ah ouais. Ok, maintenant c'est le boss de fin. Lord, oh, bah, ouais. Lord Frederick. J'ai 10 minutes. Le fantoche fulminant. Lord Frederick. De son vrai nom. De son vrai nom, bien sûr. Je crois que je ne suis pas mort dans mon bébé. Ah oui, lui, il est. Il a des patterns chelous et il met des feintes en plus aussi. C'est quand pour faire gaffe. Mmh. Ok, phase 1 terminée. Tranquille. Ah oui, c'est là. Ah oui, c'est là où il est casse-couille. Il met des phases cheloues et après. Là, il va commencer à geler les plateformes avec l'inertie à deux balles. Bah. L'inertie dans le jeu, c'est ton pire ennemi. Hein. Ok. S'il bouge pas. Parfait. Par contre, là, il est un peu plus vif. Oh, le pénis, il est un peu plus chaud. Hein. Oh. Il met des feintes. C'est vrai que c'est là par contre, faut pas perdre trop de vie sinon tu te fais fumer. Bien joué. Oh bah là il est rapide. Ouais, mais il a surtout qu'un cœur en fait. Donc bon. Surtout qu'il y a encore la P3 à faire. Ah bah ouais. C'était très rare. Oh, ah, c'est. Mmh. Ça va être chaud là. Hein. Mmh. Je déteste ces fentes à des ballons. Facile à toucher avec Ranky Kong en fait. Ah
Avec le pogo, tu peux faire des sauts précisions en fait. Ah oui, d'accord. Et bah oui. Parce qu'en fait, le boss, il a une hitbox un peu chelou. Ok, bon, on prend. Ça fait 1. Ok, un coup. Le sub 2h, il va être temps d'axe, mais c'est chaud. Que je rate. En phase 3, il y a deux moments où il s'offre à toi à la suite. Ah oui, là c'est horrible ce moment-là. Non mais en phase 3, il y a deux moments où il s'offre à toi direct. Donc en vrai, t'as deux chances, t'as trois chances, t'as six chances de lui mettre trois coups en fait. Et de le finir rapidement quoi. C'est ça. Et après, il y a un pattern vraiment, vraiment relou. Avec les dragons là. C'est ça. Là il est vraiment vif. Là faut... Ah t'as réussi à avoir gratté un saut pas mal. Ok. Oh, deux sauts. Par contre c'est fou comment tu glisses. Ah si tu grattes le saut, là non je vais peut-être pas gratter le saut. D'abord il fait les dragons, ensuite il fait le bataille. Ah, c'est un vrai gratté sur ces... Putain. Grand vite. Ah, il te reste plus beaucoup de temps pour le finir. Il envoie, il va envoyer ses minions là. Il les envoie vite, hein, t'as, il te reste plus qu'une minute trente. Hein. Ouais, mais il les envoie, il les envoie. Si je me rate pas avec les minions, c'est possible. Il te faut encore deux coups là ? Non. Un saut à mettre. Yes! 1,59,0. Let's go! Let's go!
GG. C'était tendu. Vraiment tendu, ouais. Let's go, bien joué. On prend la classic screen, hop. Belle run, belle run. Ouais, je vais refaire une plus tard, mais peut-être jeudi soir, mais... Je vais dire. Ouais, c'est cool, hein. Alors, t'as seul le 2h, hein. c'était l'objectif. Hein. Je vais voir où est-ce que ça me met dans le placement. Alors là actuellement je suis 59ème et ça me fait gagner bah, une place. Ouais. Oh, c'est déjà ça quoi. C'est déjà ça. place de prise quoi. Non mais je vais exceptionnel quoi. Oh, ouais, tu m'étonnes. Juste de l'eau pour éviter de mourir ce soir, ce serait bien quand même. C'était peu, ce serait mieux effectivement. Et je montrerai la vidéo demain parce que j'ai honnêtement la flemme. Je peux comprendre, en fait, il est 2h du matin. Oui, non, je me souviens pas qu'il est 2h, c'est juste que j'ai envie de dormir en fait, surtout. Aussi, ouais, bah écoute, aussi, je vais y aller, ça tombe bien. J'attends juste les crédits en fait parce que c'est juste pour valider, tu vois. Ouais, ouais. J'attends les crédits aussi, voilà. Bon, bah en tout cas, c'est cool, t'auras fait ton petit sub là. Parfait. Ouais, bah écoute. C'est pas mal, ouais. Ça, 2h, c'est pas mal, hein. J'ai. Bah, mon sum of best, il est à 1h48, donc bon. 1h48, t'as déjà fait. Ah, ouais. Non, c'est mon sum of best. Ah, ok. Donc, honnêtement, c'est possible de faire beaucoup mieux. Ah, oui, tu m'étonnes, ouais, il t'a. C'est pour ça, non, je peux toujours faire mieux. Mais là, rien qu'avec la mort sur le boss de fin, je sais que je peux gagner 3 minutes par exemple, tu vois. Ah oui, d'accord. Juste là, je peux gagner 3 minutes. Le boss, il est pas évident aussi. Comment le boss. Il est pas facile le boss du monde 6 hein. En vrai ça va, tu vois. En fait c'est moins un rain killer que le boss du monde 4 tu vois. Oui oui je vois. Tous les autres boss ils sont gratuits mais. Enfin je dis ça, je suis mort sur le boss du monde 2 quoi. Ouais ouais. Faudrait que je me rachète des mouchoirs demain parce que laisse tomber quoi. Ce que tu cherchais pour la musique Tropical Freeze. Alors, Shiki. Vous voyez un message. Tiens. T'as toute l'OST du jeu à télécharger, gratuitement. Oh, trop bien. Comment tu crois que je l'ai eu? Incroyable, bah merci. Oh là là.
C'est ça que l'OST du jeu est folle, hein. Putain. J'ai vraiment envie de l'OST aussi folle, hein. Juste David Wise. Vraiment, l'OST est folle. David Wise. Merci pour le GG, Vanny. Je pense que t'arrives un peu tard, mais...